Pascal, 46 ans, est un agriculteur hors du commun. Foudroyé par une locome début 2001, il perd 100% de ses capacités visuelles en 3 mois seulement. Après de longs mois de rééducation et avec les encouragements de son médecin, il décide de reprendre son travail courant mai 2002. Montrer aussi qu'on est capable de faire les choses et qu'on peut être utile dans la société des gens normaux, entre guillemets, quoi. Il faut regarder les positifs, oublier les négatifs, sinon on n'avance pas, quoi. Sa motivation, se créer des objectifs. Dans la salle de traite, Pascal évolue comme invalide. Il doit certes redoubler de vigilance face aux animaux qui, eux, ne perçoivent évidemment pas son handicap. Méfiance et attention sont donc les maîtres mots. Il vaut mieux perdre un peu de temps que d'aller trop vite et d'une part qu'il arrive un accident et qu'on fasse une erreur. Quoi. Parce que l'erreur, après, on en a peur et on arrive sur des blocages. Quoi. Ça, c'est vrai pour la locomotion, c'est vrai pour les animaux, c'est vrai pour tout. Quoi. Pascal gère la traite des 105 vaches laitières 2 fois par jour. Et sa rapidité, sa facilité d'adaptation ont littéralement bluffé ses associés de GAEC. Il connaissait un peu la salle de traite avant, mais il a été très vite à s'habituer. Il connaît aussi bien les vaches que moi. Il détecte les mammites, tout, il tarie les vaches, sans problème. Il les fouille, pas de problème. Il connaît très bien les numéros des vaches, autant que moi. Pascal ne veut pas faire de son cas un cas unique et encore moins susciter la pitié. Il veut simplement encourager les personnes touchées de cécité à ne jamais renoncer.